La crise financière de 2007-2008 a mis en exergue que la gestion du risque de liquidité est une problématique fondamentale. Or, le concept de liquidité est illusif, car il peut être approché sur plusieurs dimensions. Dans un marché émergent comme la Bourse de Casablanca, la problématique de liquidité se pose de manière plus accrue, du fait notamment du volume de transactions, du nombre d'intervenants et de la difficulté d'accès aux données sur la microstructure du marché. La recherche empirique essaye d'apporter des éléments de réponse à cette problématique de liquidité. En particulier, la mesure d'Amihoud qui a été introduite en 2002 a rapidement gagné en popularité au sein de la communauté financière. Pourquoi est-il difficile d'appréhender tous les contours de la liquidité d'un marché? Quelles sont les caractéristiques de la liquidité du marché boursier marocain? Qu'est-ce que la mesure d'Amihoud? Peut-on l'appliquer au marché boursier marocain? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse dans notre réflexion.